La question de l'insalubrité dans le district d'Abidjan et principalement dans les marchés des différentes communes, une préoccupation pour l'Agence nationale de salubrité urbaine, ANASU. Après l'opération sur la thématique de la propriété en milieu scolaire en 2013, la campagne Balai des ventes à porte, spéciale propriété des marchés, voit le jour en 2014. Objectif, restaurer la salubrité au sein des marchés. Et la commune de Marcory est choisie pour le lancement. Nous voulons donc exhorter par cette action les communes à renouer avec ces pratiques d'antan qui consistaient donc à effectuer des lavages réguliers des marchés. Une initiative encouragée par commerçants du Grand Marché et premier magistrat de la commune. Si le marché est propre, nous aussi nous sommes propres. Ça va éviter beaucoup de maladies. Et nous voulons que vraiment ça continue. Je pense que c'est une très belle initiative de l'ANASU. Et comme nous sommes très à cheval sur la propriété et l'assainissement de notre commune, nous n'avons pas hésité une seule minute à accepter cette invitation de l'ANASU et puis à aider l'ANASU à nous aider. Et pour donner l'exemple, un nettoyage du marché est prévu une fois les 15 jours par la mairie. L'opération Balai des ventes à porte à spéciale propriété des marchés s'étend sur une durée de 3 mois dès mars 2014.